Bonjour et bienvenue sur QI. Question d'hypnose. Comment choisir son hypnothérapeute? Cette vidéo vous présente quelques conseils et généralités à adapter au cas par cas. Il ne s'agit nullement d'une vérité absolue, mais de pistes pour vous aider. Lorsque vous choisissez un hypnologue, comme tous les thérapeutes, vous pouvez prendre en compte son niveau de formation, son ancienneté dans la profession. Est-ce qu'il débute ou est-ce un hypnologue qui exerce depuis plusieurs années et qui est confirmé? Sa notoriété, votre feeling lors du premier entretien, qu'il soit téléphonique ou visuel, également votre ressenti interne bien sûr. Cherchez alors à en savoir plus, car vous pouvez par exemple trouver un dinosaure de l'hypnose qui exerce depuis plus de 30 ans mais qui ne se forme pas, ne lit pas et reste enfermé dans ce qu'il a appris lors de sa première et unique formation. Et à côté de ça, vous pouvez voir un jeune hypnothérapeute, tout juste sorti de l'œuf, mais qui est passionné, qui aime l'humain, qui se forme et apprend constamment, se donne à 110%. Alors, faites confiance à votre intuition. Comment choisir son hypnothérapeute? Il est important ensuite de vérifier si ce professionnel de l'hypnose n'a pas été formé uniquement sur Internet, comme cela peut se voir aujourd'hui. L'hypnose est un outil qui s'apprend en pratiquant énormément. Dans les formations à distance, il y a une carence énorme en pratique. Ensuite, vous pouvez vous pencher sur sa spécificité. Est-ce un hypnologue qui propose uniquement de l'hypnose ou est-ce qu'il propose l'hypnose en plus de son cœur de métier et l'utilise comme un outil secondaire? Par exemple, un psychologue ou un naturopathe peut utiliser l'hypnose en complément de son activité principale. Il ne sera donc pas forcément spécialisé en hypnose thérapeutique, mais spécialisé en naturopathie ou psychologie et utilisera quelques outils de l'hypnose. A contrario, un hypnothérapeute qui ne fait que de l'hypnose sera sans doute plus fin et performant qu'un thérapeute qui fait un peu de tout. QI, la question d'hypnose. Prenons l'exemple de Cécile. Cécile souhaite faire de l'hypnose pour remédier à une densité de vie récurrente pour elle. Attirée naturellement vers l'hypnose, elle apprécie particulièrement le côté bref de cette thérapie. Elle trouve à côté de chez elle un psychologue qui pratique également de l'hypnose. Elle se retrouve alors prise dans une psychothérapie, alors que ce n'est pas du tout son désir initial. Au bout de 10 séances, enfin, elle a le droit à 10 minutes d'un outil d'hypnose, car avant, je cite, « elle n'était pas prête ». Un hypnologue, un hypnothérapeute ou un praticien en hypnose qui utilise l'hypnose en outil principal va dès la première ou deuxième séance vous faire de l'hypnose. Cette différence est essentielle en fonction de ce que vous recherchez. En revanche, si vous souhaitez des rendez-vous plus réguliers, une prise en charge plus enveloppante, dans ce cas un psychologue qui utilise l'hypnose est probablement ce qui vous conviendrait le mieux. Il n'y a pas un bon ou mauvais accompagnement, il en existe de multiples formes. À vous de trouver celui qui vous correspond. Comment choisir son hypnothérapeute? Le mieux, mais cela n'est pas toujours possible, est de se faire recommander un hypnologue par un ami, un membre de votre famille, un médecin ou un spécialiste. Mais là aussi, attention, si le bouche à oreille permet souvent de trouver la bonne personne, n'oubliez pas que nous sommes tous uniques et qu'un thérapeute peut convenir à votre grand-mère ou à votre meilleur ami, mais pas à vous. Et ce, même pour une problématique similaire. D'autres paramètres peuvent entrer en compte. Le taux de disponibilité du thérapeute, si vous avez envie d'avancer rapidement ou de résoudre une problématique et que le thérapeute n'a pas de place avant 5 mois, cela peut valoir le coup d'en trouver un autre disponible plus rapidement. La distance peut jouer. Il n'est pas toujours facile d'aller consulter à 4 heures de route de chez soi, mais cela peut valoir le coup de faire un peu plus de route pour voir le thérapeute qui vous correspond plutôt que de prendre celui qui a 2 rues de chez vous si vous ne le sentez pas ou s'il met 2 fois plus de temps à résoudre votre problématique. Comme l'hypnose est normalement une thérapie brève, vous n'aurez pas besoin de faire 50 allers-retours. QI, la question d'hypnose. Nous venons donc de voir différentes pistes qui peuvent vous aider à choisir votre hypnothérapeute. Souvenez-vous que tous ces conseils restent généraux et que le choix du thérapeute est à adapter au cas par cas. Un élément est cependant capital, votre intuition. Un dernier point. Sachez qu'il est très facile de faire de l'hypnose. Un peu comme si vous apprenez quelques tours de magie très simples. En revanche, être thérapeute nécessite une formation, un accompagnement des personnes, un non-jugement, une prise en charge complète. Être spécialiste en hypnose
nécessite donc d'avoir une bonne formation de base, de continuer à se former régulièrement et surtout de pratiquer, pratiquer, pratiquer sur soi, sur les autres, en cabinet. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et surtout à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à poser vos questions sur le domaine fascinant de l'hypnose afin que je puisse y répondre dans le cadre d'une prochaine vidéo. Dans une autre vidéo, nous découvrirons comment entrer en état d'auto-hypnose simplement et savoir quoi y faire. La question en hypnose. Retenez que chaque personne fait du mieux qu'elle peut au moment où elle le fait. La culpabilité n'engendre que plus de culpabilité encore. Alors, apprenez à focaliser votre esprit sur ce que vous désirez, non pas sur ce que vous ne voulez pas. La puissance de votre esprit inconscient va ainsi attirer, comme un puissant aimant dans votre vie, ce que vous voulez le plus dans celle-ci. Faites-vous confiance, votre potentiel est illimité. À très bientôt, et en attendant, prenez bien soin de vous.